Comment se fait-il que je ne puisse pas expliquer, ni même retracer d'où tout cela a commencé? Je ne sais même pas. Qui ai-je offensé? Ce n'est plus drôle, même dans mon état. Suis-je toujours celui que les gens admirent dans ma famille? Oh Dieu! Que se passe-t-il? Dieu, que se passe-t-il? Regardez tout le monde dans ma famille. Tout le monde est juste en train de s'emballer et de faire comme tout allait bien. Mon frère aîné Elvis, il est diplômé depuis 10 ans maintenant. Et il est même diplômé de première classe, je crois. Et il est à la maison sans boulot. Sans boulot. Ma soeur aînée. Celle-là d'une relation ratée à une autre. Elle est belle. Une véritable définition de ce que les gens appellent femme au foyer. Mais pourtant, elle n'est toujours pas mariée. Père, puis-je? Au moins. Peut-on jamais sortir de ces luttes dans ma lien familial? Et peut-on jamais sortir? Je suis vraiment désolé pour vous. Il est sûrement impossible de sortir de ce pétrin. Peut-être que vous devez simplement vous contenter de tout ce que la vie vous offre. Nous nous efforcerons toujours et vous mettrons tous continuellement dans le noir. Votre ignorance est notre force. Il n'y aura jamais de lumière dans votre famille et vous resterez tous dans la servitude. Nous sommes en charge d'Athénée et nous cachons le secret des hommes par l'ignorance. Chaque fois que vous décidez d'être libéré de la servitude et que vous cherchez la face du Seigneur, votre délivrance est proche. Personne ne dit rien et cela arrive et que le Seigneur ne le commande pas. La raison pour laquelle les gens vivent encore dans la servitude est simplement parce qu'ils refusent de payer le prix qui mène à la liberté. Dieu n'a-t-il pas parlé de votre délivrance dans Osée 1, le verset 17? Il a dit: mais sur la montagne Sion sera la délivrance, et là sera la sainteté, et la maison de Jacob possédera ses biens. Maintenant, vous voyez, il est possible pour vous et vos frères et sœurs d'être libres. Mais le défi est que personne dans votre ligne familiale n'a pris le temps de chercher le Seigneur et de rechercher profondément les secrets et les mystères qui vous ont tous maintenus dans une ignorance totale. Votre ignorance est la force du diable. C'est le moment pour vous d'être en colère dans votre esprit et de faire ce que vous n'avez pas fait auparavant. Mais je vais normalement à l'église
et je ne manque aucune activité de l'église. Je ne le ferai jamais. Je suis confiant pour cela. Faites pas attention à toutes ces bêtises. Acceptez simplement les circonstances de la vie. Ne vous stressez pas. Il y a des moments où vous devez faire un effort supplémentaire dans l'esprit pour obtenir ce que vous méritez. Par la parole du Seigneur, des mystères vous seront dévoilés. Jésus parlait à ses disciples dans Matthieu 17, verset 21. Cependant, mais cette sorte de démon ne sort que la prière et le jeûne. Donc, j'ai contribué à tout ce gâchis qui se passe dans ma famille par mon ignorance. J'ai contribué à tous ces gâchis qui se passent dans cette famille. Mais je le sais aussi que pas toi à faire. Pas toi, oh Dieu. Je suis. Non. Non. Plus jamais.